Civilians continue to pour out of the Islamic State's collapsing caliphate. They are fleeing the fighting, the bombing, and the hunger. Amongst these women, a number of jihadi brides traveled from all over the world to live under the Sharia. Turkey. Kazakhstan. انا لسه كسر انتم روسي عارف انا لسه كسر عارف عربي انتم روسي عارف. This woman is French. She says her name is Mathilde, that she has no children, and that she lived in the French city of Tours before traveling to Syria 4 years ago. In all, we could speak to her for 15 minutes. What do you hope is going to happen now? Are you sad that it's over? No, pardon. No. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici, mais sans argent, sans connaissance, c'est pas possible. Mathilde says there are still a number of French nationals inside what's left of the so-called caliphate. Je sais qu'il y en a parce que quand on marche tout ça, j'entends les Français parler, mais je sais absolument pas comment. Je sais pas. C'est des gens qui veulent pas aller en prison, donc. C'est soit vous partez et vous êtes à peu près sûr de finir en prison, soit vous restez et vous êtes à peu près sûr de mourir. Donc il y en a qui ont fait le choix. Moi j'ai fait le choix d'aller en prison, il y en a qui ont fait le choix de mourir. Death over prison. A choice she says her husband made. An Egyptian national she married in Syria. Travaille dans le médical. Il est dans les hôpitaux, mon mari. C'est pas un combattant. Why did he decide to stay inside if he's not a fighter? Parce qu'il sait très bien qu'il va finir en prison et il veut pas aller en prison. On en a parlé plusieurs fois longuement et il m'a dit, moi, je peux pas aller en prison. Mathilde says she was disappointed with her life in the caliphate, but never explicitly condemns IS's crimes or ideology. En France, j'étais pas libre parce que j'étais musulmane et je pouvais pas pratiquer comme je voulais. Dans l'État islamique, on peut pratiquer, mais il faut pratiquer comme. Vous voyez ce que je veux dire? Et si j'avais su, je serais pas, je serais jamais venue ici. Je savais pas que c'était comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient pas que c'était comme ça. Je dis pas que c'est horrible. On m'a rien fait là-bas. On m'a pas touché, on m'a pas torturé, on m'a pas frappé. On me traite très bien. Mais c'est pas ce que j'imagine. But when you came, there were already the videos, the executions, the terrorist attacks. Non, je suis bien avant. Je suis avant les attentats. Do you regret coming here? How do you feel about all this today? Fatigué. Très fatigué. Mathilde explains her first husband persuaded her to go to Syria, but stayed in France. Il n'est jamais venu ici, mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Du coup, ils m'ont jugé en même temps. Sans que je sois sur le territoire français, ils m'ont jugé. Moi, je suis déjà jugée et condamnée. Who is your husband? Désolée, je ne peux pas le dire dans la caméra. What were you sentenced to in France? Do you know? Ils m'ont condamné à 10 ans de prison, dont 2 tiers de sursis. What were you sentenced for? Pour terrorisme, je suppose. The French government is in no hurry to repatriate jihadists. Mathilde knows it. She says she wants to serve her time in France. Nous, en tant que femmes, on fait. Je suis désolée, là-bas, par faire à manger, le ménage, la cuisine, on. Voyons. Nous, on va pas au combat, on fait. Physiquement, on fait rien, vous voyez ce que je veux dire. Après, ça va être des idées. Ça va être des idées, des pensées que le gouvernement va pas aimer. Mais nous, seuls qui veulent retourner en France, c'est pas pour commettre des attentats, c'est pas pour aller tuer je sais pas qui dans un supermarché. Nous, si on veut rentrer, c'est pour essayer de retrouver une vie normale. The Kurdish authority is overwhelmed by this continuous influx of foreign jihadists. Countries must repatriate their citizens and judge them. We don't have the resources to put people on trial. There is an alternative via the United Nations. They could create a special tribunal here. Then these people would be judged here, officially. In France, jihadi brides are considered a security threat, and politicians fear public backlash over their return. To the Kurds,
These women and their children are both a problem and a major bargaining chip on the international scene.